West, émission spéciale M Pokora en direct de l'espace culturel Atlantis. Et on retrouve tout de suite Lucas en direct. Bonjour Pat, bonjour à tous et salut M Pokora. Salut. Bonjour Nantes. En effet, en direct du centre commercial Atlantis de Saint-Herblain dans la région nantaise, M Pokora est là pour nous parler de son nouvel album. C'est un vrai succès. Sa tournée va débuter dans quelques semaines aussi. C'est raide. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Matt. Comment vas-tu Matt? Ça va super bien, avec le beau temps et plein de gens, donc ça fait plaisir, c'est cool, c'est une belle journée. Ça fait quoi de voir tout ce public se déplacer rien que pour toi? Et il y en a qui sont depuis, c'est ce que disaient les magasins ici, depuis 8h ce matin. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient là depuis très tôt ce matin, ben voilà, ça fait toujours chaud au cœur. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que fait Matt Pokora après une séance de dédicace, après des émissions radio? Tu vas te retrouver seul chez toi, là ça s'enchaîne. Un retour à Paris, parce que demain on enchaîne, on a des répétitions. Des émissions de télé encore, c'est l'aller-retour, hein. C'est Paris-Nantes, Nantes-Paris dans la journée, et puis voilà, ce soir je vais arriver assez tard chez moi, je vais regarder un peu la Ligue des Champions comme tous les amateurs de foot, et voilà. Tu connais le FC Nantes? Bien sûr, le FC Nantes, ça fait partie quand même des clubs mythiques. Ah bah j'y ai une écharpe, tiens. Ça fait partie des clubs mythiques dans notre pays. Et puis, étant jeune, j'ai commencé à apprécier le foot début des années 90. Et puis, j'ai forcément suivi l'année extraordinaire avec la génération Loco, Wedek, Gourvenec, Pedros. Tout ça, donc j'ai vu aussi cette équipe-là qui est une des très belles équipes de Nantes. Et puis après, il y a eu celle aussi avec Eric Carrière qui a été championne de France. Donc ouais, je suis un grand amateur de foot. Donc ouais, je connais le FC Nantes. Et le jeu à la nantaise. Ouais, voilà, le fameux jeu à la nantaise.